Trêve de plaisanterie, allons-y, ouvrons les choses. Alors, je vais mettre ça sur le côté, pour l'instant. Et puis, on va les faire dans l'ordre. Paf, voilà. Pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. On va commencer par ça. J'ai mis les 4 à chaque fois. Hein. J'en ai mis 4 à chaque fois, et à chaque fois, ça va être... J'ai pris des visuels différents aussi. Je ne sais pas si ça va nous donner de la chance ou pas sur ces belles ouvertures. Mes 3 secondes de gloire ludique. Eh oui, la grosse classe. Eh ben on y va, on commence avec lequel? Je vais commencer avec les 3 mignons. Parce que c'est des starters, vous l'aurez compris. Ça marche bien. Ça marche très bien. Je vais mettre ça sur le côté. Alors attendez, je vais me tourner pour que ça soit quand même plus pratique. Ça sera quand même plus pratique. Tac. Alors, on va essayer de faire ça bien. En zoomant bien. Les starters pour starters. Oh, ils sont bizarres, ils ont l'air mous. Ils ont l'air très mous. Ce qui est bien, c'est qu'il ne faut plus les trier. Avant, il fallait les trier, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, on va pouvoir les ouvrir dans l'ordre, sans s'embêter. Alors, si je dis pas de bêtises, pour que vous sachiez un petit peu, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent les cartes Pokémon, il y a plusieurs cartes Pokémon qui existent, bien évidemment. Ça, c'est la dernière, c'est toujours une énergie. Bon, ça, ça change pas, ça sert un peu à rien, hein. Les gens n'aiment pas trop les énergies, on le sait très bien, elles sont toujours mises de côté. Et maintenant, mes 3 dernières cartes, c'est les cartes les plus intéressantes, entre guillemets. La dernière carte, c'est une rare, une très rare, ou une très très rare. Globalement, c'est un peu ça. On aimerait bien ouvrir des très rares ou des très très rares. Les 2 avant-dernières sont ce qu'on appelle des reverse, c'est-à-dire que c'est des cartes normales, sauf que le brillant, il est inversé. Mais l'avant-dernière carte peut ne pas être une reverse et peut être une carte secrète. Ça sert à jouer quand même. Ça sert à jouer, bien sûr, les énergies de base servent à jouer, bien sûr. Elles sont indispensables dans les decks. Et encore, il y a des decks où on n'a même pas besoin de celles-ci, on peut jouer des cartes spéciales. Mais soit. Et donc, hop, je tourne le paquet. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de m'être spoilé, mais je pense qu'il y a quelque chose de bien. Les premières cartes sont des communes. Donc là, par exemple, on a Polichombre. Est-ce que vous m'entendez toujours bien et n'hésitez pas à me le dire, hein, si vous m'entendez mal ou si vous voyez mal. Je vais zoomer encore un petit peu. On va en profiter. Donc ça, c'est une commune. Compagnol. Compagnol, il est très mignon. Il est très marrant. On a ensuite Olivini. Olivini qui est une olive et qui est très rigolo. Là, on a des petits ronds. Au niveau des icônes, ça veut dire que c'est des communes. Hein. Il est trop cute, Compagnol, ouais, j'avoue. Il est vraiment trop cool. Et il évolue en femme mignole, je crois, un truc comme ça. Ce qui fait que elle est vraiment toute mignonne. Quoi. Donc là, on est au rond, et maintenant, on va passer aux losanges. Les losanges, c'est les cartes incommunes, comme on dit. Donc, on continue avec la prochaine incommune. Un gros drive. Il est pas très jojo, mais bon, il faut bien qu'il y en ait. Je crois que je montrerai le replay à ma fille, en fait. Hop! Ici, on a un bandeau défi. Et là, on arrive à la première reverse. Donc, qu'est-ce qu'une reverse? C'est ça. C'est quand la carte brille, sauf l'illustration. Voilà. Donc là, la première reverse qu'on a eue, c'est Dogrino. Voilà. Très belle carte, Dogrino. La prochaine carte... C'est peut-être une secrète, c'est peut-être pas une secrète, on ne sait pas. C'est absolument une secrète. Les amis, on commence avec une ouverture de zinzin. C'est une foulard. Alors, si vous voyez là, je vous approche un petit peu, on voit que c'est la 212 sur 198. Donc, c'est une secrète. C'est une secrète. Je vais essayer de lire ce que ça dit. Grâce à ses pouvoirs psychiques, il peut distordre l'espace-temps et ainsi voir l'avenir. Je sais pas qui c'est. C'est Kirlia. Hop là, ça commence avec cet incroyable Kirlia. Et on n'a pas... Ouais, on a tout de suite une secrète au premier booster. C'est beau. Et la deuxième carte. On a une super rare en deuxième carte. Mais pourquoi j'ai autant de chat que ça dans mes ouvertures?
C'est n'importe quoi. Et en deuxième carte, on a une secrète encore. Je vous montre. Et c'est une super rare. Deux étoiles dorées, donc c'est une secrète rare alternative. C'est une secrète rare alternative. La 231 sur 198. Donc, autant vous dire que là, sur ce booster, on vient d'ouvrir deux dingueries. Et c'est un Corédon X. Mais enfin. Regardez, je vous montre un petit peu. Bon, les cartes sont pas toutes comme ça dans Pokémon. Hein. Là, on a particulièrement de la chance. Voilà, alors, ça c'est assez incroyable. Elle est dingue, elle est absolument dingue. On ouvre tout de suite un Corédon X. C'est juste zinzin. Elle est bien cette ouverture. Elle est très bien cette ouverture. On a déjà un Corédon et un Kirlia en full art. Voilà. Alors un booster Pokémon, normalement, c'est pas forcément ça. Hein. On a plus ou moins de chance. C'est bon, on peut arrêter, on n'aura pas mieux. Oui, c'est ça, on peut arrêter là. On peut tout à fait arrêter là. Waouh. Eh ben, très bien. Très, très bien. Je vais mettre le reste ici. C'est incroyable. Bah, celle qui me hype le plus, c'est le compagnol. Benoît Père annonce. La chatte. Eh ben, on commence très bien. Alors, j'ai pas de protège-carte. Je suis vraiment pas très malin. J'ai pas de protège-carte, du coup, comment je fais? Ben, je vais les mettre sur le côté. Parce que, voilà. Et le reste du paquet, je vais le remettre dans le paquet. Voilà. Tac. Je laisse toutes les rigolotes de côté. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Hop. Alors. Bon, on va ouvrir le deuxième booster. Hein. Bon, le premier booster, il était pas mal, hein. Donc, je vais vous montrer ce que c'est un booster un peu plus normal. D'accord? Parce que là, je vous ai ouvert un truc un peu zinzin. Hop. Donc, ça, c'est la petite carte. Si on joue sur Pokémon Live. Voilà. Ici, on a l'énergie, comme d'habitude. On a une énergie feu, là, maintenant. Et on va retourner. Hop. On a le faux Pikachu, qui s'appelle Deden. Faut crier des sleeves à l'aide. 40€ la carte environ pour Corédon? Non, c'est vrai? Eh ben, est-ce qu'on l'a fait gagner? Est-ce que ça vous intéresserait de la gagner, cette carte? Écoute, on fera peut-être gagner ce petit Corédon, alors. Ça me pense être une bonne idée. Kirlia. Mais également. Alors, Kirlia, vous avez vu? C'est elle. Donc là, c'est la même carte. C'est la même carte, sauf que... donc elle a les mêmes attaques et tout. Sauf que ça, c'est une version secrète full art. C'est bien, ça fait un peu de pédagogie. Échange, qui était une très bonne carte à jouer. Les énergies peuvent être brillantes aussi. Non, pas sur cela. C'est sur 151 que les énergies peuvent être brillantes. Un petit chouchoudil. Donc ça, c'est un des nouveaux starters. C'est un peu le Salamèche 2.0. Fortress, Forêtresse, je ne sais pas comment on dit. Le casque brut. Ah non, je croyais qu'on l'avait encore en reverse. Alors on voit pas trop la différence, hein, je trouve, sur les ténèbres. Tellement de chance que tu vas tirer une clochette enchantée dans un booster Pokémon. Quand tu dis nouveau starter, ces persos n'existaient pas avant. Non, ça c'est la dernière génération en fait. Le plus cool des starters restera toujours Grickwick. Grickwick, qui a un peu un nom de fast-food. Là, on a Flotillon en reverse, qui est assez mignon. Il faut le dire, il est assez mignon. Ensuite, donc là, on a une deuxième reverse, ce qui est normal. Ce qui est complètement normal. On a Jacques. Alors, Jacques, c'est une super carte. Si vous jouez au jeu de cartes Pokémon, elle est vraiment chouette. D'aller chercher deux Pokémon évolutifs, c'est cool. Donc on a un Jacques en reverse, ça c'est un booster un peu normal. Et on a une rare normale. Voilà, donc là on ouvre un booster rien de plus normal, avec un Trousselin. Avec un magnifique Trousselin. On voit que c'est pas la même chose, hein. On a eu celle-ci juste avant. Et là on a le Trousselin. On voit au niveau du foil. Voilà, là on est sur un foil plus standard, qui fait tout le tour de la carte. Voilà.
Et ici, on a un foil un peu empreinte digitale. Voilà, avec des nuances de bleu. Voilà. On a ouvert quand même un petit trousselin holo, mais oui. Je vais le mettre dans son petit paquet. Je vais le remettre dans son petit paquet. Hop, voilà. Tac, et je vais le mettre avec ses copains. Bon, pour l'instant, notre ouverture, elle est déjà réussie. Hein. Elle est déjà réussie. On a ouvert les cartes les plus stylées dans le même booster, quoi. C'est assez fou. Alors, on ouvre la carte code. On s'en fiche. L'énergie, on s'en fiche un peu. Et c'est reparti pour un tour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un attrape Pokémon. Je croyais que c'était les Pokéballs, mais... En fait, Corridon, c'est pas secrète, c'est une ultra rare. Ok. Donc ça, c'est une ultra rare, les amis. Et ben, je pense qu'on fera gagner cette ultra rare, les amis. On va faire gagner cette ultra rare. Flingouste. J'avoue, le premier booster, il claque, je suis jamais tombé sur une belle ouverture comme ça. Bah ouais, écoute... Ah, Olivado, c'est l'évolution de la petite olive. Écoute, j'ai pas de bol normalement dans les ouvertures, mais j'ai du bol en live. Quand je fais des ouvertures en live, j'ai du bol. Donc tant mieux. Hein. Le Coifton, qui est mon Pokémon préf, et il pète la classe. Je suis désolé, mais Coifton, il est trop cool. Le Bandeau Défi. Le Gros Drive qu'on avait déjà eu. Une Fée Blowball, qui est une carte plutôt savoureuse quand on joue avec. La Première Reverse, c'est un juge. Voilà, pour voir si je ne fais pas de bêtises. Donc c'est une carte dresseur, c'est des actions hein, dans le jeu. On voit quand même que ça brille là, c'est un peu cool. La deuxième reverse. C'est une reverse, donc on est sur un booster normal. On a un soporifique. L'évolution finale, c'est planche apéro. Ça marche bien. C'est très très bien. Et attention, la rare. C'est une rare. Et c'est un Karmadura, l'évolution de Charbambin. Voilà, donc ça, un nouveau booster à peu près normal. À peu près normal. Je vais fouiller les classeurs de ma fille pour trouver les cartes rares maintenant que je sais quel picto chercher. C'est quand il y a des petites étoiles, ouais. Merci, Shurai Zero, pour ton follow, merci beaucoup. Voilà. Hop. On met ça dans le petit paquet. Merci PanzerSucette pour ton follow, merci beaucoup, bienvenue. Alors, eh ben on va ouvrir le dernier booster de Écarlate et Violet, et après on enchaînera avec Évolution à Paldea, puis Flamme Obsidienne, puis Pokémon 151. Mais entre deux, bien sûr, on fera un petit giveaway. Merci Miss Fairbunny pour ton follow, merci beaucoup. J'essaye de les... Eh, ça s'ouvre plutôt bien, hein. Je suis assez content, ça s'ouvre très très bien. Une énergie métal, rock'n'roll, métal. Et c'est parti, Flotillon. Alors, je vais pas vous mentir, je le trouve ultra cool, celui-là. C'est un peu une petite victoire d'ouvrir un Flotillon. Salut, bienvenue. Bienvenue, Shurai Zero. Servipère, c'est un abo, un abo 2.0. Malos. J'aime beaucoup Malos, je trouve qu'il a la classe. Pietassé qui a un peu une tête de cloche. Voilà. Il est chou, Flotillon. Ouais, je trouve qu'il est très très chou. Florges. Ou Florge, je ne sais pas. On a ensuite un Rongrigou. Rongrigou, très mignon, Rongrigou. Mais également Prismillon. Prismillon qui a plein de formes différentes. Je le trouve trop classe aussi, Prismillon. La Première Reverse. C'est une Reverse. Oh, c'est Pomote! Pomote, l'évolution de Pomme. Ou Pomote, c'est comme Marmotte, j'imagine, mais Pomote. Il est très, très beau, lui. La deuxième reverse, ou mieux. C'est encore une reverse. Scorvilain, l'évolution de Pimito. Et oui, Scorvilain. Ça, c'est un très bon jeu de mots. Hein. Je tiens à le dire, j'aime beaucoup ce jeu de mots. Et enfin... Encore une rare. Un Miascarade. Miascarade qui est
le Pokémon starter Poussacha qui évolue en Maturgeon et enfin en Miascarade. Un peu, c'est un peu la danse. Eh bien, bien joué. Alors, regardez ce qu'on va faire. Je vais faire un petit truc rigolo. Est-ce que... Non, vous savez quoi ? Pour cette... Parce que c'est le début du live et parce que j'ai envie de récompenser les gens qui sont là depuis le début, on va tout faire gagner, là. On va absolument tout faire gagner. C'est-à-dire qu'on va faire gagner tous les boosters qui sont ici, avec, bien évidemment, ces deux jolies cartes. Allons-y. Hein. Et Sylve qui prend un bon de réduction, bien joué, tu m'enverras un petit MP, je me le note. Alors, est-ce que ça vous intéresse ? On va faire ça. On va faire un petit truc comme ça. Alors, je redézoome. Donc, je vais vous envoyer, parce que vous êtes trop des choux d'amour, je vais vous envoyer bah tout, en fait. Tout ce qu'on vient d'ouvrir, là, je vous envoie ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais prendre un booster de évolution à Paldea. Salut, Lunaire, bienvenue. Je vais ouvrir un booster de Paldea. En essayant de pas le péter. Hop, voilà, je l'ai complètement défoncé, je suis navré. Je vais enlever cette carte-là. Et je vais prendre la première carte. La première carte qui est une commune. Je laisse le booster de côté pour l'instant. Paf. Je laisse le booster de côté pour l'instant. Je vais regarder quelle est cette carte. Ok. Vous l'aurez deviné, on va lancer le concours dès maintenant. Le but, c'est de deviner quelle est cette carte. Donc, vous pouvez faire autant de propositions que vous voulez dans le chat. La première personne qui me dit le nom de ce Pokémon remporte la totalité de ces cartes. Ce n'est pas Polichon, moi. Le nom complet, je veux pas un numéro 1. Ah non, c'est trop facile. J'en connais que 150. Voilà, comme ça, ça vous laisse une chance. Donc, c'est, je rappelle, hein, c'est dans l'extension Évoluons à Paldea. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Internet, sur Évoluons à Paldea, la liste des cartes communes. Et la première personne qui me dit quelle est cette carte, je lui offre toutes ces belles cartes. Alors, Polichombre, c'est pas Polichombre. Wonder Woman, c'est pas Wonder Woman. Pomme, non. Pikachu, non. Le mec mignon qu'on a vu trois fois, non. Poussacha, non. Balignon, non. Apitrini, non. Dinglu, non. Tissamboule, non. Compagnol, non. Baojan, non. Caninos, non. Pomme de Pique, non. Fortress, Scarino. Cotovol, Fortress, Goélise. Karatroc, non. Granivol, Virovant. Lilithrel, non. Bekipan, non. Pimito, Floravol, Miascarade, Triopius, Granivol, Granivol, non. Non, non, je vous donne un indice. C'est un Pokémon plante. Triopius, Granivol, Granivol, Tauros, Carino, Apitrini, Desseliandre, Blizzy, Tauros, non. Léviator. Ah ! Ah ! Ah ! Il a été dit ! Il a été dit ! C'est terminé. Une personne a dit... Je vais vérifier si c'est bien la première personne. Mais je crois que c'est bien la première personne à l'avoir dit. Je vais noter sur un petit bout de papier ton nom pour pas te perdre. Hop là. Alors, je vérifie. Mais ce qu'il fallait trouver, c'était... Les roues. Et la première personne qui a dit les bouts, les roues n'est autre que Stosh79. Félicitations, Stosh79. Tu as trouvé ce Pokémon qui est très étrange, qui est un Pokémon qui roule une boule de caca. Et en trouvant ce Pokémon, tu gagnes la totalité de ces magnifiques cartes, dont le fantastique Corredon. Le fantastique Corredon Secret, de toute beauté,
Bravo à toi. GG, franchement. Vraiment, GG. Bien joué. Je t'invite à m'envoyer un petit message. Alors, non, je vais te chuchoter, parce que comme ça, tu pourras me répondre... Oh oui. Je vais te chuchoter. Je vais te dire « Coucou, est-ce que je peux te chuchoter ?» Oui, c'est bon. Donc, je te chuchote et tu pourras, comme ça, m'envoyer un petit message sur Twitch avec ton adresse. Comme ça, je t'envoie tout. Est-ce que je peux mettre un petit post-it? Alors, attendez. Je vais faire ça comme ça. Je vais le mettre dans ces magnifiques enveloppes. Hop. Alors. Je note. Tic-tac-touc. Bien joué à toi. Le vrai cadeau, c'est de se faire chuchoter, finalement. C'est ça. Je t'ai chuchoté. Stosh. Hop. Stosh79. Tu gagnes la totalité des cartes, parce que je suis un zinzin. Je serai pas aussi généreux plus tard, bien évidemment. Là, c'est exceptionnel. Touc. Donc, je te remontre. Je t'envoie le Corédon X. Je t'envoie le Kirlia Full Art et la totalité des boosters qu'on a eu. Hop, je mets ça dans une enveloppe de côté pour t'envoyer ça. Félicitations à toi. Il y aura d'autres giveaways, bien évidemment. Tac, et si tu n'as, si tu, tu peux aussi me contacter sur Instagram, si je réponds pas rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà, incroyable. Mais je t'en prie, Stosh, c'est toi. T'as réussi à trouver l'incroyable Tissamboule en premier. Alors, je vais me remettre bien. Touk. Tissamboule, non. Les boules et roues. Là, maintenant, oui. Merci, Shkampu. On va ouvrir maintenant du Evolution à Paldea. Donc, c'est la deuxième série. Et après, on enchaînera avec du Flamme Obsidienne et du Pokémon 151. Ok? Alors, les amis, on continue, c'est parti. Coucou, Issara Crew. Coiffe-t-on ? Vous avez vu, c'est pas le même qu'avant. Hein. C'est pas le même qu'avant, il a un peu la classe. Hein. Il a un peu la classe. Ensuite, on a Forgerette. Ah, j'ai oublié d'enlever l'énergie. Je vais enlever l'énergie. Hop. Huit. Forgerette, incroyable Forgerette. Ouais, elle est très mignonne. Très mignonne, Forgerette. What a Pic. Une illustration en mode... En mode pâte à modeler. Petite figurine. Simularbre. On le connaît bien, Simularbre. Béquipan. Hop. Brésilion. La première reverse, c'est un Férosinge. Férosinge, il a vraiment la classe. Ensuite, c'est encore une reverse. Clavel. J'ai vraiment du mal avec les élus pâte à modeler. Ouais, elles sont... C'est particulier. Moi, je trouve que des fois, ça marche bien. Des fois, ça marche moins bien, mais... Il y en a qui fonctionnent très bien. Et on a une rare avec... Un fer de terre. Un magnifique fer de terre. Il est très beau. Il est vraiment très, très beau. Un très beau fer de terre. Hop. Allez, hop. Ça retourne dans le petit paquet. Tac. Et on verra plus tard ce qu'on en fait. On ouvre un deuxième évolution à Paldea. Ouais, Forgette, elle est vraiment chouette. Et elle est chouette à jouer avec l'évolution. Elle a une évolution qui est plutôt cool. Les traducteurs méritent un Oscar de l'adaptation. Ah oui, non, c'est clair. Les noms de Pokémon, ça doit être tellement dur à... Ça doit être tellement dur à trouver. Surtout que des fois, il y a des jeux de mots en anglais qui ont l'air complètement fous. Enfin, carrément impossible à traduire. Et... Là, par exemple, Pousse à chat, ça marche. C'est une pousse et un chat, c'est très bien. Pousse à chat, c'est pas mal. Ça fait herbe à chat, je trouve. Enfin, ça... C'est très bien. C'est tout à fait réussi. Ensuite, on a... Coiffe-t-on ? Bah dis donc, E2, c'est des starters, hein. C'est un peu le carapuce et le bulbizarre.
Putain, j'allais dire, si on a Chouchoudil, qui est le troisième, ça aurait été très drôle. Charbambin, en commune. Les Boux, les Roux, en commune, mais une autre. C'est pas la même illustration que l'autre. Très passable, qui est littéralement un château de sable, mais fantôme. Un beau Reichu ! Il nous avait manqué, celui-là, il est beau. Fantastique, Reichu. Une Cinderella. Incroyable aussi, celle-là. La première Reverse. Un Fari Giraffe. L'évolution de Girafarig. Incroyable carte qui est Fari Giraffe. Ensuite, la Reverse. C'est un bec à glaçons. Donc, pas de secrète, hein, on est sur un bec à glaçons. Bec à glaçons qui a un jeu de mots incroyable, je trouve. Bec à glaçons, il est incroyable. Et un Luxray. C'est une rare standard. Ce petit Luxray. Magnifique petite carte. Je vous ai dit, on a vraiment eu du bol sur la première ouverture. Hein. On a vraiment eu du bol sur la première ouverture. Donc, tant mieux, c'est bien. Ça fait un live qui commence sur les chapeaux de roue. Vous avez vu les illustrations, je prends pas les mêmes, c'est que j'ai pris que des illustrations différentes, ça ne change rien en termes de... Je vais ouvrir... je vais l'ouvrir en dernier, lui, c'est mon préféré. Je vais ouvrir d'abord lui, Flamigator, je crois. Allons-y. Tac. Allez. Troisième booster pour Paldea. Je rappelle qu'après on aura du Flamme Obsidienne... Et du Pokémon 151. La petite énergie. Une énergie combat. Le Ampibidou X est juste magnifique. Je sais pas si c'est une ultra rare. Je crois pas. Bon, on va voir. Peut-être qu'il va tomber. Hein. On peut regarder après les cartes avant de les ouvrir pour se dire qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Le petit Ramolos, qui est magnifique. Et Lionceau. Le Rocabo, trop la classe. Pomme, on a eu tout à l'heure son évolution. Ce petit pomme. Azumarill, on le connaît bien. Un espèce de Pikachu d'eau. Apiren, qui a la classe aussi. Bec à glaçon, cette fois-ci pas embryante, en normal. Hein. Ah, il y a marqué 237 sur 195. Bon, bah alors c'est que c'est une secrète. Salut, Fing. Bienvenue. Machine qui est une influenceuse Instagram. Et qui est une carte très forte à jouer en tournoi. Oh, on a une rare reverse. Rare reverse, ça c'est cool. Oh, elle est très jolie celle-là, dis donc. Elle est très chouette. Alors c'est une rare, donc ça veut dire que... C'est comme les dernières cartes qu'on a, mais en reverse, donc c'est un peu plus cool quand même. On voit le rare parce qu'il y a la petite étoile. Elle est très jolie cette carte. Et enfin... Ah, c'est encore une rare normale. Un Spiritombe. On ouvre un petit Spiritombe. On a commencé ce live sur les chapeaux de roue, et là on a des cartes un peu moins bien. Un peu moins bien, mais le live n'est pas terminé. Alors, le dernier booster de Paldea. On n'a pas encore ouvert du 151, non. On ouvrira à la fin. Hop. C'est parti. Bon, ça, on s'en fiche. Et ça... On s'en fiche un petit peu aussi. Ouh, il y a Panzer Sucette qui offre 5 abonnements de niveau 1. Mais enfin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Panzer Sucette. Merci. Panzer Sucette qui offre 5 abonnements. Et du coup, qui abonne Dropo, Wami, Lapin Dixit, Chachufi et Joby. Joby, vous possédez désormais... Ah, mais il est incroyable. Ouais. Ouais, ça régale. Ça régale tout à fait. Hein.
Écoute, je pense que on va s'accorder pour dire que tu vas remporter ce booster. C'est pas possible. Panzer Suicide, je vais t'offrir ce booster. Panzer Suicide, je vais t'offrir ce booster. Je vais le poser là pour l'instant. J'espère pour toi que ça va être génial. Mais je vais tout à fait t'offrir ce booster. Je le note. Panzer Suicide. Hop. Panzer Suicide. Tac. Je t'offre ce booster, mon ami. Merci Sylph pour tes bits, merci beaucoup. Non, dis, faut le jouer, c'est plus marrant. Tu veux le jouer, c'est-à-dire? Tu voudras le faire gagner par quelqu'un d'autre, Panzer Suicide, ce booster? C'est ça que tu dis? On peut, hein? On peut. Comme l'autre? Ok. Eh ben, c'est un grand seigneur, Panzer Suicide. Ok, donc, je ne t'offre pas ce booster, on va le faire jouer comme l'autre, ok. On fera tout jouer. On fera ça, allez, on fera comme avant, on fera gagner tout. Allez, c'est parti. Hop. Longue vie à Panzer Suicide. Il est gentil quand même. Pourtant, il méritait, hein. Il méritait de gagner des trucs. Makuhita comme première carte. What a pick. Soloshi, je le trouve très cool. Il est en train de manger sa petite branche. Le retour du Watapi, ouais. En pâte à modeler. Malheureusement pas apprécié. Magikarp ! Alors celui-là, incroyable. Ça va sortir une carte à 20 000 euros, il va pleurer. Non ? Je pense que Panzer Suicide est un... J'hésite, mais je pense pas qu'il y ait des cartes à 20 000 euros quand même. J'imagine que non. Quatermac. Très classe aussi. Très classe ce Quatermac. Oh, une énergie inversion. Magikarp, il est incroyable. Énergie inversion, waouh! On en voit de toutes les couleurs là. Celle-là en brillante, ça doit être quelque chose. Eh ben, mais qu'est-ce que c'est que ce booster d'énergie? Est-ce que vous sentez l'énergie arriver? L'énergie qui monte? La première reverse, c'est un passe rouge. Le petit oiseau. En plus, c'est un peu multicolore en bas, c'est joli comme tout. Passe rouge, incroyable. Suivi de. Une Unco en reverse. Un électrode, beau gosse. Et enfin, c'est une rare. Et c'est Dimoré. Eh ben, on aura fait une ouverture pas terrible sur Paldea. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions hâtives? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais je vais remettre tout là-dedans. Pas terrible. Pas terrible. Est-ce qu'on les fait gagner quand même ou pas ces cartes? Je ne pense pas. Si. On les fait gagner? Écoute, on les fait gagner quand même ou pas? C'est pas ouf. Si, on y va? Allez, on va les faire gagner. Hein. Allons-y. Eh bien, les amis, pour gagner ces 4 boosters, double la mise avec les suivants. C'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. Hein. On pourrait se dire, on les laisse de côté et puis on les ajoutera à... On les ajoutera. En fait, je me disais, si on a... Oh, double. Double. Bon, on les met de côté. On les met de côté et puis on fera... On les ajoutera avec des cartes rares. Si par exemple, on ouvre plusieurs cartes rares, on fera gagner les cartes rares de manière... Parce que là, avant, Stock, il s'est fait un petit kiff. Hein. Il a eu 2 super cartes. Allez. Je double alors. Je double la Kin. Très bien. Bon, bah alors, on fait ça. Regardez ce que je vais faire. Donc, je vais ouvrir un Flamme Obsidienne. Hop. Hop. Première ligne. Ligne 1, 2. Et... Flamme Obsidienne. Donc là, on a... Je mets ça là. J'ai mis de côté les Paldea. Oups, je me suis trompé de stream. Donc ça, je le mets là. Là, je vais prendre une carte. Je prends une carte, je la mets de côté, et cette carte-là, elle servira pour le concours. Donc, vous pouvez... Ça sert à rien de pré-shot pour l'instant, mais on va voir. Liste de cartes Pokémon Flamme Obsidienne. Ok? Ah non, c'est peut-être pas une bonne idée que je le fasse en avant. Bonne ou pas bonne, les enfants, on est toujours contents.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Là, on va ouvrir cette série, les amis. Hop, je vous montre. On va ouvrir Flamme Obsidienne. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre une carte commune du dernier paquet. Je prends une carte commune du dernier paquet, tiens. Et ça sera une de ces communes-là. La première personne qui me dira le bon Pokémon remportera, du coup, un cadeau. Mais on verra après, je réexpliquerai. Mais globalement, là, ça se jouera sur celle-là. Ça, c'est les cartes un peu stylées. Voilà, les cartes un peu stylées. Les cartes très stylées. Là-dedans, il y a Dracaufeu. Il y a une Dracaufeu. Il y a même plusieurs Dracaufeu. Donc, si on ouvre du Dracaufeu, c'est un peu la classe. Il y a un Dracaufeu en or. Et il y a un Dracaufeu comme ça, là, Terra Crystal. Donc, ça peut... Là, on peut ouvrir du lourd. Hein. On peut ouvrir du lourd. On peut ouvrir des choses fantastiques. Ok, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je le suis. Je suis chaud comme une baraque à frites. C'est parti pour l'ouverture de ce booster. Donc, j'ai enlevé une commune que j'ai mis de côté. J'ai mis une commune que j'ai mis de côté. Je vais la regarder vite fait. Ok. Et après, il y a la mélo en dresseur qui est sublime. Ouais. Le rêve du... Je rêve du fenard dans cette série. Ok. J'ai pas enlevé la... l'énergie. Je regarde si je me suis pas trompé. Ouais. Donc, j'enlève l'énergie. Aragdo, les amis, Aragdo. C'est parti. Aragdo. Un petit chamallow. Ça, au coin du feu, ça fait toujours plaisir. Le tout tombe. Le petit tout tombe. Un reptincelle. Incroyable, ça. Incroyable, petit reptincelle. Un minotaupe. Ah bah, il y a Ampibidou en classique. Et Togetic. Ah bah là, tu peux avoir les cartes que t'aimes bien. Dans le chocolat, miam miam. En premier reverse, on a Sapero. Sapero. En deuxième reverse, c'est une reverse. On a Balbuto. Balbuto. Et attention, la rare. Ou peut-être mieux, on ne sait pas. C'est une rare. Et c'est un Fulguris. Premier booster, pas terrible. Pas terrible, mais c'est pas grave. Et ça fait des cartes quand même. Hein. Ça fait des cartes quand même. On aura fait notre climax dès le début. On aura fait notre climax dès le début avec les premiers boosters. Hop. Hop. Et hop. Alors. Attention. Deuxième booster, allons-y. Je le mets là de côté, pouf. Hop. Donc ça, c'est la petite énergie. Énergie psy. Qu'est-ce qu'on call? On aimerait bien avoir un petit Dracaufeu, bien sûr. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Tyranocif, il est très joli, Tyranocif, j'aime beaucoup Tyranocif. Mais également, qui nous enchante. Dracolos, incroyable, Dracolos, Fenard. Coucou, Tni. Les roues carnage aussi sont assez incroyables, le Hortide, toutes les foulards sont très jolies. Ok. Eh ben, on va se dire une petite foulard, ça serait sympa. Le Goupix. Grenous. Très, très cool, Grenous, je le trouve très beau. Darumaron. Darumaron, il est ultra chelou. On dirait un petit esprit dans Miyazaki. Draco qui est incroyable. Disons-le, Draco fait partie de mes Pokémon préférés, je pense. Avec Dracolos, bien sûr. Karmadura, qu'on a eu tantôt. La première reverse. C'est pas maintenant, c'est après. Ortiga. La Ortide est carrément sublime. Ouais. La première reverse, c'est un point de vengeance. La seconde reverse, ou une secrète. Malheureusement, non. Oh, je suis désolé, hein, on ouvre Mustéflo, ou Mustéflotte, il y a deux T, on va dire Mustéflotte. Et la dernière. Aïe, 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 c'est encore une rare. Togekiss. Tu l'avais call. Tu l'avais call, le Togekiss.
Il est là. Il est là. Bah, Togekiss, c'est pas Togepi, mais c'est pas loin. Tac, pour la deuxième carte. Donc ça, c'était deuxième booster. Pas terrible, encore une fois. Aucune Dick Reverse. Aucune Dick Reverse, bien joué. C'est validé. Jeu de mots validé. Togekiss bien dodu. Ouais, ouais, ouais. Mais là, on va ouvrir des choses incroyables, vous allez voir. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Je vous ai dit, j'avais pas de bol sur les ouvertures. J'ai pas menti, hein. J'ai pas menti. La petite énergie. Bon, le premier booster était incroyable. Hein. Le premier booster était incroyable. Alors, allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Happy Trini. Un petit Vrombi. Il est pas beau, hein, celui-là. Disons-le. Hein. Il est vraiment pas jojo. Ambrilex. J'adore Ambrilex. Melo, Melo qui est magnifique. Melo qui est absolument magnifique. Miss Dibule. À chaque fois, je dis Miss Tibule, mais en fait, c'est D. Miss Dibule. Pepper. C'est sûrement un sergent. Limonde. Et attention, la première reverse. C'est Crabominable. Crabominable en reverse. Attention, allons-nous avoir une secrète? Et non, malheureusement, c'est une commune, Mystherbe, en reverse. Incroyable Mystherbe. Et enfin, score vilain qu'on a déjà eu dans une... Non, mais c'est pas le même. C'est un autre score vilain. On est sur un autre score vilain. Les amis, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Je suis navré pour tout ça. Mais il nous reste un petit booster. Il nous reste un petit booster. Et rien n'est perdu. Allons-y. Alors, hop. Ça, hop. La petite énergie, elle est là. Allez, on y croit. Allez, on y croit. Ça va être incroyable. Allez, on y croit. Je le sens. Ça va être incroyable. Allez, on y croit. Non, 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 là, ça va être génial. Là, ça va être génial. Là, ça va être génial. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça va être génial. Duramaron. Alors, avant, on avait Aragdo. Allez, on y croit. Grenousse. J'ai l'impression d'avoir déjà ouvert ce booster. Croquine. Qui est mignonne. Qui a un petit radis. Sepiatros. Ok, ok, ok. Gros Ré. Incroyable. Terrestre de Paldea. Là, ça va être la reverse. Ça brille en bas. Hein. Ça brille, mais on sait pas comment ça brille. Est-ce que ça brille bien ou est-ce que ça brille pas bien? On sait pas trop. On confirme, il est déjà ouvert. Merci, Métamorph. Métalmorph, pour ton follow. Merci beaucoup. Gourmelet, qui est magnifique. Ce Gourmelet, il est trop beau. C'est une super illustration de Gourmelet. Elle est vraiment réussie. Coucou Gochil, bienvenue. Attention la reverse. C'est une reverse encore. Et ça rend bien, hein. Ah bah c'est son évolution. Voilà, comme ça on a les deux. Et enfin... Aïe aïe aïe. C'est un Entei. On n'a rien eu du tout, c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous faire gagner tout ça, quoi. Ou alors on attend encore. Non, on va faire gagner ça quand même. Allez, je vais vous faire gagner. Je vais vous faire gagner. Ces 8 boosters qu'on vient d'ouvrir, les amis. On va gagner ces 8 boosters. On croise les doigts. Mais oui. Les amis, la première personne... Donc j'ai mis une carte commune du bloc... Flamme obsidienne de côté. Je suis en stream, mais vous avez ouvert les trésors, j'ai pas le son. Pour l'instant, on a ouvert 2 trésors. On a ouvert 2 trésors. Et sinon, c'est tout. On n'a pas eu de chance sur ces ouvertures. Pour gagner la totalité des cartes qu'on vient d'ouvrir, il faut me citer la carte commune qu'on a mis de côté. Donc le nom du Pokémon
mis de côté. La première personne qui me le dit remporte. Le concours commence maintenant. Allez-y, vous pouvez faire autant de propositions que vous voulez. Alors, oula, vous avez pré-shot beaucoup de choses. Je ne l'ai même pas regardé, en fait, je suis con. Ok. Alors, Desséliant, non, Salamèche, Goupix, Mustéflotte, Dauphin, Brindibou, Croquine, Polarum, non, Dauphin, Pomme de Pique, Trompignon, Croquine, Grenousse, Togepi. Je crois qu'on a un gagnant. Je crois qu'on a un gagnant. Ça a été dit. Je le note. La première personne qui a dit la bonne réponse, qui était Tritonde. Tritonde était la bonne réponse. Et la première personne qui a dit Tritonde, c'est Doink Pool. Doink Pool, félicitations. Tu es la première personne qui a dit que c'était Tritonde. Je vais le rajouter dans ton booster d'ailleurs. Quand même. Quand même, parce que c'est ce Tritonde qui... Je vais le mettre à part pour symboliser ta victoire. Et tu gagnes. Alors malheureusement, tu n'as pas eu des aussi bonnes cartes que Stock. Mais tout de même. Tout de même, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, ces cadeaux. Ces cadeaux, c'est cool. Tu es quand même content, Doink Pool. Tu es quand même content. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Donc félicitations, Doink Pool. Pool, pardon. Doink Pool, Doink Pool. Bah oui, c'est Pool, je pense. Je te chuchote, tu peux totalement, normalement, me contacter sur... sur Insta aussi, si jamais tu ne me vois pas sur Twitch. Je m'en mêle les pinceaux. On finit en beauté, les amis. On finit en beauté, les amis, et ça va être très cool. C'est quand même des cartes qui ont été touchées par toi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça faillote. Qu'est-ce que ça faillote. C'est incroyable. Bah là, on va ouvrir ce gros classeur. Bah, les 151 n'existent pas en booster simple. Donc, on est parti sur le petit classeur avec, avec les boosters. Hein ? Là, ça, oh ouais, 151, ça rigole plus. Là, on rigole plus. On rigole vraiment plus. Alors, allons-y. Ah ! Je vais essayer de pas trop le casser. Comme ça, je pourrais remettre des choses dedans. Donc, on a... Hop ! On a un fantastique classeur. Est-ce qu'on fait gagner ce classeur? Est-ce qu'on le fait gagner ou pas? On verra. Hop! Voilà. Touk! Qui est de toute beauté avec un petit papier. Un petit papier de protection. Voilà. Et ça permet de ranger vos petites cartes. Vos petites cartes dedans. De grande qualité. C'est ici qu'on chuchote. Oui, tout à fait. Mais au pire, tu m'envoies un message privé sur Twitch. Envoyez-moi un message privé. Donc du coup, c'est Doinkpool et Stosh79. Envoyez-moi un message privé sur Instagram si vous n'arrivez pas sur... Si vous n'arrivez pas sur Twitch. Et ici, on a les petits boosters. Donc, on va prendre ces petits boosters. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Les petits boosters. Et je vais remettre ça là. Ça, la mèche. Hop. Allez, on y croit. Peut-être que tout le moment de la vidéo, c'est maintenant. Tout va arriver maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Avant, c'était pour rire. Là, maintenant, c'est maintenant qu'on va ouvrir des trucs ouf. On peut pas, c'est toi qui dois initier. Ah bah, ça alors. Bah, attendez, je vais le faire tout de suite. Là, il n'y a que des visuels identiques. Hein. Alors, sur Twitch, tac. Mais oui, mais j'essaye de... Je souhaiterais vous parler avec grand plaisir. Mais pourquoi, pourquoi quand je fais chuchoter... Chuchoter. Compris. Coucou. Voilà. J'ai initié. Coucou, Galou69, merci beaucoup. Mais... Mais enfin. Mais enfin. Mais enfin. Mais non. Mais... Fing. Fing qui offre 5 abonnements.
Mais merci beaucoup. Mais enfin, Fing SL qui offre 5 abonnements. Mais t'es un zinzou. T'es un grand zinzou. Doink, tu es où? Oh mon dieu, mais attendez, vous êtes des ouf, il se passe autre chose. Attendez, je chuchote Doink. Hop là, coucou. Je t'envoie coucou, comme ça tu peux m'envoyer tes coordonnées. Merci beaucoup, Fing. Merci beaucoup, il offre un abonnement à Galou69, à Sail Willow, à Serkal, à Mad Totoro le vrai et à Jeu Dice. Mais enfin, c'est la méta actuelle écarlate et violet. Oui, enfin, il y a aussi un peu la fin du bloc bouclier et épée qui peut être joué. Pour l'instant, c'est pas encore jouable 151. Ça le sera bientôt. Là, pour l'instant, c'est pas encore jouable. Merci beaucoup, petit bout 33. Merci pour ton follow. Tu es incroyablement trop mignon. Fing SL, merci, merci, merci. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Et franchement, vous régalez. Vous régalez, les amis. Vous régalez. Vous régalez, merci beaucoup. Je suis tout ému. À chaque fois qu'on offre des abonnements, je suis tout ému parce que vous êtes des choux d'amour. On est 2124 aussi. Ce qui fait qu'on est de plus en plus à follow sur la chaîne. Donc merci, vous êtes des amours. Et c'est pour ça qu'on fait des lives comme ça où on vous offre des petits cadeaux. Parce que ça fait plaisir. Merci pour ton follow, Fing. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Est-ce que c'est parti pour cette ouverture? Allons-y. Allons-y. Je vais peut-être fermer ça. Pouf. Est-ce qu'on regarde ce qu'on peut avoir dans 151? Comme ça, au moins, on a une petite idée et on crée un peu de suspense. Alors, on peut avoir, bien évidemment, l'incroyable Florizarre, le majestueux Dracaufeu, et l'incroyable Tortank. Je peux déjà dire que l'un des communs est... T'as déjà fait la liste, Tom. Isarakrou qui s'abonne, merci beaucoup. Ton deuxième mois d'abonnement consécutif, c'est un plaisir de soutenir la chaîne. Mais arrêtez, vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Vous êtes trop, trop chou. Franchement, merci. Bah, c'est grâce à vos abonnements qu'on peut vous permettre de vous offrir des trucs. C'est vraiment le principe, quoi. C'est vraiment le principe de vous redonner ce que vous nous donnez. Donc merci, 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 merci. Vous êtes vraiment trop chou. Merci. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci Zarakrou, merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent. Ben merci Max, maintenant j'ai envie de manger des choux à la crème. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de très sympa? Un Fenard, bien sûr, parce que Fenard, on l'aime bien. Alakazam. Un incroyable Alakazam. Mais également, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? On va regarder vers la fin, c'est là où c'est un peu stylé. Il y a Elector, il y a Mew, bien évidemment, mais oui, il y a Mew. Mais regardez ces cartes-là. On pourrait avoir Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche, Reptincelle, mais également Carapuce, Carabaf, Chenipan, regardez comme il est beau, Pikachu, bien sûr. Nidoking, incroyable Nidoking, Psychoquack, incroyable, Tétart, incroyable aussi, Machopper, Sac de Nœuds, ils sont trop beaux, merci beaucoup Liaedawen pour ton follow, merci beaucoup. Les Dracaufeux aussi sont terribles, Monsieur Mime, incroyable, Ammonita, incroyable, Draco, et après là il y a toutes les ex, regardez ça, ce gros Dracaufeu, ce gros Tortank, je vais pas vous mentir, celle-là, ça doit être une de celles que je préférerais. Fenard aussi, qui est très très beau. Incroyable. Alakazam, incroyable. Elles sont incroyables. Et encore là, c'est juste des screenshots. Elector, regardez cet Elector. Regardez comme il pète la classe, cet Elector. Il pète la classe. Ce Mew, il pète la classe. Mais oui. Mais oui. Ah là 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 là. Les dresseurs. Moi, je trouve qu'on s'en fout un peu des dresseurs. Florizarre Ex, regardez cette beauté. Dracaufeu Ex, regardez cette beauté. Tortank X, regardez cette beauté! Moi, je suis Team Tortank. Hein. Tu vas adorer la Tortank en alternative. Non, mais moi, je suis absolument un fan de Tortank. Dracaufeu est surcoté. Tortank est 100 fois mieux. Il le met à terre. Tortank, il met à terre Dracaufeu. Il faut arrêter. Hein. Alakazam, regardez cet Alakazam. Regardez cet Elector, les amis. Et ça, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Et ce Gold Gnew, incroyable! Incroyable, elles sont magnifiques, les illustrations. Magnifique. Cet échange dont tout le monde se fout.
et cette énergie dont tout le monde se fout également. C'est quand même fantastique. Hein. J'ai ouvert un bundle 3 Tortank X, mais envoie-moi-en un. Je le mets dans le studio, je le mets derrière, je l'affiche. Je te jure, c'est vrai. Un Tortank est incroyable. Tortank est tout bonnement incroyable. Eh bah, ben passons aux ouvertures. Passons aux ouvertures. Mais elles sont tellement jolies, je vais les garder pour moi, celles-là. Je vais toutes les garder pour moi, pour les mettre dans le studio. Non, bien sûr que non. Ça sera à gagner, bien sûr. Hop, allons-y. Ça, on s'en fiche. Alors ici, les amis, contrairement aux autres séries, l'énergie peut briller. L'énergie peut être brillante. J'ai tellement envie de me ruiner dans les 151. Je crois qu'il nous reste juste des classeurs. Je crois qu'il ne reste que ça, si vous les achetez sur le site. Je mets 151, est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît? Oui. Oui, on a encore les packs avec le classeur. Donc le classeur comme ça, là. Bah, ce qu'on ouvre, en fait, je suis con. Ce classeur et 4 boosters. Et le classeur, il est ultra quali, je suis hyper surpris. Souvent, un classeur, déjà, ça vaut 20-25 euros, un classeur. Donc là, on a un classeur qui vaut bien 20 balles. Hop là, je fais tout tomber. Alors, donc c'est assez fou. C'est out partout. Non, chez nous, on en a. Après, c'est peut-être cher, c'est pour ça. Ils sont à combien? 42,90€. Je trouve que ça va. En fait, pour le classeur, je trouve que ça va. En fait, le classeur est vraiment cool. Alors, attention, regardons. L'énergie, est-ce qu'elle va briller? Non, elle ne brille pas. Ah oui, display et coffret, ouais, ça sert à... Ça, il n'y en a plus, je crois. Ah, ça, c'est des Pokémon qu'on connaît, ça fait plaisir. Voltorb. Mais également Krabby. Regardez comme ils ont la classe! Sabelette. Vous avez vu comme mon engouement vient de monter d'un cran? La hype qui vient de se créer, là, je suis tout excité. Ça s'accélère. Sabelette. Otaria. Le magnéton qui tombe. Aïe, 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 aïe. La première génération, c'est quand même quelque chose. Je suis assez d'accord. Tortank X x2. Ah ouais, d'accord. Si tu accroches dans le studio, je t'offre la Tortank X que j'ai en double. Mais arrête. Non, non, fais pas ça. T'es trop chaud. T'es trop, trop chaud. Quelle Madeleine. Ouais, je suis d'accord. La première génération est incroyable. Alors, ah oui, il y a un truc un peu intéressant, c'est que... il est possible qu'il y ait des God Pack. Qu'est-ce que c'est un God Pack? C'est les trois dernières cartes. Au lieu que ça soit deux Rivers et une rare, et bah c'est trois secrètes. Donc là, ce n'est pas le cas parce qu'on a une Rivers. Un petit Goopix Rivers. Suivi d'un Sablero Rivers qui est très beau. Il est très très beau. Et enfin. Une rare. C'est un Dardarnian. Un incroyable Dardarnian. Rien de spécial sur ce booster. Mais un booster quand même avec beaucoup de souvenirs. J'essaye de répondre au chuchotement, mais je sais pas si ça marche. Si, c'est bon. C'est bon, je vois vos messages désormais. Stosh et Doinkpol, je vois vos messages. J'ai vu vos adresses, c'est parfait. Oui, ça fonctionne. Tu peux mettre ton adresse, Doinkpol. Bon, premier booster, pas ouf, mais les cartes sont jolies. Donc, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Allez, on y croit. Moi, je veux un Tortank, les amis. Ce booster s'est ouvert très bizarrement. Oula. Oulala. Oulala. Oulala, je le casse. Ah bah, t'arrives pas du tout à ouvrir ce booster correctement. C'est bon. Il était récalcitrant. C'est dur à coller, mais ouais. Ce serait terrible. Attention l'énergie. Est-ce que l'énergie va être brillante ou pas? Non, c'est une énergie standard.
Mon internet ne fait que couper, du coup je ne vois qu'une carte sur deux. Ah merde. Doduo. Incroyable Doduo. Tentacool. Ils sont beaux, hein. Ratata. Le beau Carapuce. Ah, je l'aime bien. Moi, je t'aime bien, toi. Je t'aime bien, Carapuce. T'as la classe. Le gros ballon. On s'en fout un peu du gros ballon, dis donc. Colossinge. La grosse classe. Rapace de pique. Et attention, la suivante. Est-ce une reverse? C'est une reverse. Roucoule. Toi, la classe. Ce bon vieux Roucoule. Alors, prochaine carte, est-ce que ça va être une secrète? C'est encore... une reverse, Ferro-Singe, et la carte suivante. Ah, bah voilà! Voilà, il se passe quelque chose! Il se passe quelque chose! Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est Alakazam? Ça brille. Ça brille, ça fait des paillettes. Pile quand je reviens. Eh bah parfait! Oh! Je crois que c'est Alakazam. Hein. C'est tout à fait Alakazam! Trop bien! Incroyable! Regardez comme ça brille de ouf. Il y a tout un pelliculage d'étoiles. C'est assez dans un... Ils se sont bien abusés. Regardez, regardez comme ça brille. Ah bah voilà! Et bah voilà! Eh! Eh bah je suis content, là. On va vous faire gagner quelque chose de chouette. Bon bah très bien, coucou Jérémy, bienvenue. C'est beau. Bon bah ce petit Alakazam. Ce petit Alakazam, il va faire plaisir à quelqu'un. Je le mets de côté. Je vais mettre de côté les cartes un peu cool. Il a eu du mal à s'ouvrir ce booster parce que justement il était recollé par quelqu'un qui a été gentil et qui nous a mis une bonne carte dedans. Il nous a mis une bonne carte. Il reste plus que deux boosters les amis. Je sais c'est terrible mais c'est comme ça. Il reste que deux boosters. Hop, j'ai oublié de mettre une petite carte de côté pour faire gagner. Donc, je vais mettre une petite carte de côté pour faire gagner après cet Alakazam. Hop! Attention, l'énergie, est-ce qu'elle va briller? Ce serait quand même bien. Elle ne brille pas. Elle ne brille pas. Allez, on y croit. On y croit pour ouvrir des choses formidables. Krabi, Krabi, qui est de toute beauté. Sabelette. Sabelette, j'aime beaucoup Sabelette. Otaria, qui est chou comme tout. Nidorina. Ratatak. Ça me rappelle les souvenirs de fou. Invitation d'Erika. On s'en fout un peu. La première reverse, c'est ça? Oui. Mélodelphe. Pourquoi je la mets là? Mélodelphe. Très belle Mélodelphe. Attention, est-ce que la prochaine est une secrète? C'est une secrète, les amis. On a plus de chance hein, sur ces boosters. Alors. Qui ça peut être? Non, c'est pas une secrète, c'est une full art. Qu'est-ce que ça dit? Depuis sa naissance, une petite flamme brille au bout de sa queue. Si cette flamme s'éteint, la vie de ce Pokémon s'éteint elle aussi. Je pense qu'on a tous deviné. C'est un Salamèche! Incroyable! 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 Ça, c'est magnifique, les amis! C'est magnifique! Elle est incroyable! Incroyable! Ah là 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 là! Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Ah, il y a encore une rare derrière. Hein. Un Dodrio. Incroyable! Incroyable d'ouvrir ce petit Salamèche. Non, pas Godpack. Incroyable! Magnifique ça! Magnifique les amis! Coucou Augustine!
L'effet du rayon est magnifique, ouais, sur le petit salamèche, la petite lumière qui lui brille dessus. Incroyable, là, incroyable. Bah, voilà, voilà. Ah bah, je suis content, je suis content. Je suis très content. Trop bien. Eh ben, très bien. On aura fini avec, en beauté. On aura fini en beauté. Mais il nous reste un petit dernier booster. Un petit dernier booster. Qui s'ouvre aussi n'importe comment. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais l'ouvrir comme ça. Il s'ouvre trop bizarrement. Tu la vends? Non, non, je la vends pas. Pandore Sucette, on va la faire gagner. On va la faire gagner. Est-ce qu'on la fait gagner? Est-ce que vous voulez qu'on la fasse gagner? Je vais pas la vendre. Bien sûr que non. On va la faire gagner. Enfin, si vous voulez la gagner. Après, si vous vous en foutez. Attention! Ce n'est pas une énergie qui brille. Ce n'est pas du tout une énergie qui brille. Alors! Dernier booster pour ce soir. J'espère pour vous qu'on ouvre quelque chose de splendide pour la fin. On a ouvert une des meilleures cartes dès le début. C'est assez fou quand même. Hein. Pois sirène. Boostiflore. Fantominus. Le Paras. Incroyable. Ça fait tellement plaisir. L'aide de Nina. On s'en fout un peu. Aéromite. Galopa. Et là, c'est la prochaine. Attention, est-ce que c'est une reverse? Oui. C'est une reverse de Aide de Nina, encore une fois. Eh ben, dis donc. Elle veut nous aider, hein. Ça fait deux fois qu'elle vient, hein, Aide de Nina. Et attention. Oh. Oh. Oh, merci, il y a Fanifique qui raid. Bienvenue au raid, au moment où on ouvre. Un petit Voltorb. Bienvenue, merci beaucoup, Fanifique. Coucou les foufs, salut Oxyfouf, salut Mimafouf, coucou, bonsoir, salut les raiders, salut, vous êtes trop chou, merci beaucoup, merci, bonjour, coucou, bienvenue, on est en train d'ouvrir des cartes Pokémon, et là on arrive à la dernière carte, la toute dernière carte, qui est un Kabutops, il est trop beau, il est magnifique. Il est magnifique, ce Kabutops. Incroyable. Merci beaucoup. Regardez, on a ouvert juste avant. On a ouvert cet incroyable Alakazam. Qui brille de mille feux. Regardez là, toutes les étoiles qu'il y a. J'ai raconté le drame de la carte Pokémon de la brocante. C'est pour le petit. Ah oui, ouais. Bah oui. Parce qu'on a voulu acheter une carte sur la brocante. Et du coup, quelqu'un avait le classeur. Et on a montré, ah, cette carte, elle est vraiment chouette. Et bah la dame l'a acheté, malheureusement. Et on a ouvert... Oui, Kabutops, il fait partie des 150 de base. C'est le 141e Pokémon, Kabutops. Et on a ouvert l'incroyable... L'incroyable Salamèche Full Art. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Merci le monstre rose, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Il est... Non mais regardez, regardez comme il est beau. C'est pour le petit. Ouais, c'est ça. Regardez comme il est beau, ce Salamèche. Tout à fait incroyable. On a fait une belle ouverture, là. On a fait une belle ouverture, c'est chouette. Sur la fin. Elle est vraiment canon. Et les amis, je vais vous la faire gagner. Bah oui, on va faire ça. Alors attendez, je vais juste remettre ça ici. Tac. Et pour ceux qui nous rejoignent, je vais vous expliquer. Donc on va faire gagner. Je vous montre. Chut. Et je vous explique les règles. Et ensuite, je dirai go quand ça sera bon. Je vais vous faire gagner toutes les cartes Pokémon qu'on vient d'ouvrir là, qui sont les 151 premiers Pokémon, et qui comprennent notamment cet incroyable Salamèche et cet incroyable Alakazam. Pour cela, j'ai enlevé une carte commune qu'on ne connaît pas encore, que j'ai mis de côté. Que je n'ai pas regardé, d'ailleurs. Voilà, c'est bon, je l'ai regardé. Donc, c'est les 151 premiers Pokémon. Ok ?
Parmi ceux-là, donc je vous montre avec... c'est ici, tac. Les 150 et un premier Pokémon, vous les connaissez, peut-être pour la plupart, mais sont Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche, Reptincel, Carapuce, Carabaf, Chenipan, Crisacier, mais aussi Roucoul, mais aussi ce bon vieux Pikachu, Rondoudou, Misterbe, Topicœur, Miaouss, Chétiflore, Rakaillou, Magnéti, Otaria. Regardez, que de souvenirs. Que de souvenirs. Des cartes qui nous rappellent notre enfance. Ce Levenard aussi, on en parle. On en parle de ce Levenard, qui est incroyable. Bulbizarre, bien sûr. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir deviner quelle est la carte que j'ai mis de côté à mon top départ. La première personne qui répondra correctement remportera les 4 boosters, les 2 cartes, mais également... Ah bah regardez ce que je vais faire. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je mets les cartes dans le classeur? Et j'envoie le classeur? Non, je vais les remettre dans les boosters. Et... Je vous envoie. Ou alors on fait 2 trucs différents? Non, je vais tout envoyer d'un coup. La personne qui trouvera... J'ai pas encore dit top, mais... vous pouvez pré-shot un des 150 premiers Pokémon. C'est une carte commune, hein, donc ça va pas être un Pokémon rare. Là, le petit classeur, qui est tout neuf, plus les petits boosters et les cartes. Attendez, j'ai pas dit go. j'ai pas lancé le top départ. Je vais lancer le top départ sur le chat. Et dès que je mettrai top sur le chat, ça commencera le concours. Ça marche ? Parce que là, il y a du lourd à gagner. Là, il y a du lourd à gagner. Attention, les amis. Petit tac-touc. Je vais mettre un top dans le chat. Et dès que j'ai lancé le top, à partir de mon top... Dingloop qui est à fond. À partir de mon top, vous pourrez faire une proposition de Pokémon. Et si c'est celui-là, vous remportez le classeur... La totalité des 4 boosters avec le Salamèche Full Art et l'Alakazam X. Attention, je mets le top départ maintenant dans le chat. C'est parti mon kiki. Waouh. Je vais les lire dans l'ordre. Alors Gobenta, tu dis Bulbizarre. Non. Stosh, tu dis Misterbe. Non. Scampu, tu vas dire Roucoul. Non. Mini Draco, non plus. Nosferapti, non plus. Sac de nœuds, non plus. Osley, non. Krabi, non. Sabelette, non. Goupix, non. Soporifique, non. Osley, non. Salamèche, non. Chenipan, non. Ronflex, non. Roucoul, non. La Dame de Pique. Salamèche, non. Misterbe, non. Dodio, non. Galopa, non. Neuneuf, non plus. Tortank, non. Abo, non. Onyx, non plus. Roucoups, non. Evoli, non. Aspico, non. Krabi, non plus. Abra, non. Sabelette. Non, pas Sabelette. Starry. Proposé par Tom. Non plus. Ludigit qui dit Carapuce. Non. Hypnomade. Non. Crisacier. Non. Goupix. Non. Magmar. Non. Pikachu. Non. Hippotrempe. Non. Nidoran. Non. Nidoran mâle. Non plus. Fantominus. Non, ce n'est pas Fantominus. Un sécateur, non. Goupix, non. Ronflex, non. Misterbe, non. Poissirène, non. Paras, non. Piafabec, non. Onyx, non. Excellang, non. Misterbe, non. Evoli, non. Ossature, non. Nidorina, Miaouss, Machoke, Pikachu, Bulbizarre, Starry, non. Excellang, Magmar, Chenipan, Ortide, Psychoquack, non plus. Raichu, Abo, Pikachu, Rondoudou, Osley, Otaria, Aspico, Magikarp, j'ai jamais dit autant de noms de Pokémon. Topicœur, Roucoul, Rhinocorne, non plus. Goupix, quel troll, ouais, je suis un énorme troll. Onyx, non plus. Voltorb, est-ce que c'est Voltorb? Oui, c'est Voltorb, bien joué. Bien joué à Tom. Mais Tom, c'est un braqueur, hein, c'est un truc de fou. C'est absolument Voltorb qu'il fallait trouver. Félicitations, Tom. Mais toi, c'est incroyable, hein. Incroyable. Tom 3398 qui remporte. C'est incroyable à la Kazam.
Et surtout, cette incroyable salamèche full art. Ça, c'est la classe de ouf. Plus tous les boosters et le classeur. Bien joué. Vous auriez pu tellement gagner plein de fois. C'est ouf comment ça s'est joué à peu de choses. Enfin, c'est un vrai délire. Hein. C'est vraiment un vrai délire. Bravo. Hein. Bravo, 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 bravo. Lunala. Lunala, il n'est pas dans les 151 premiers. Mais bien joué. Bien joué. Il y avait 151 réponses possibles. Hein. Dingloom qui continue. Abra, boostiflore. C'est terminé, c'est terminé. Tom, du coup, ce que je vais faire... Regarde ce que je vais faire. Je vais même faire ça. Regarde, je vais tout ranger, tout propre. Je vais te mettre... Hop. Les petits boosters dedans. Comme si quelqu'un les avait ouverts pour toi, quoi. Hop. Je les remets dedans tout propre. Je vais fermer ça comme ça. Et dans le classeur, en première page, je vais mettre le Salamèche, le Alakazam, et bien sûr, ce Voltorb qui t'a fait gagner. Bien sûr. Tac, voilà, je le mets comme ça. Le classeur, je le mets derrière. Je le remets dans sa petite boîte. Hop là, voilà. Je vais t'envoyer tout ça, comme ça. Touk. C'est comme s'il était tout neuf. C'est comme si, hein, je vais te dire. C'est pas tout à fait tout neuf, mais c'est comme si. Le Compagnol et le Togekiss, vous voulez les échanger contre un booster pour chacun. De quoi? Ah. Tom, il est dans la négoce de ouf. Ah ouais, j'ai fait toute la liste, là. C'était un peu fou, hein. Est-ce que tu l'as choisi au hasard ou tu choisis parce que c'était le centième? Ah, c'était le centième, Voltorb. Non, non, c'est au pif. Voltorb, c'est le centième. Non, 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 c'est totalement au pif. C'est totalement au pif. C'était pas du tout... En fait, j'ai retiré une carte du booster et voilà. Ouf, j'avais fait toute la liste. T'as réussi à t'arrêter à temps. Mes trois petits gars étaient là avec moi. Ah oui, d'accord. Un collier envoyé sous haute surveillance. C'est ça. Eh ben, les amis, ça m'a fait beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir. Je sais pas si ça se dit comme phrase, mais je l'ai dite. C'est arrivé. Ça m'a procuré beaucoup de plaisir d'ouvrir des boosters avec vous et de vous les faire gagner. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont follow. Merci à toutes les personnes qui nous ont... Merci, tu es une chouette découverte, mais tu es trop chou, PanzerSucette. Un grand merci encore à toi, PanzerSucette, pour tes abonnements. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui nous follow. Le Monstre Rose, Jérémy, Lia et Dewin, Things, Petit Bou, etc. Merci, Things, pour tes 5 abonnements. Merci, encore une fois, Isaac Roux, pour ton abonnement. Merci, PanzerSucette, pour tes 5 abonnements offerts. Merci pour tous vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir. Merci, c'était vraiment top, surtout quand je n'ai pas le moral, ça fait du bien. Et ben, moi, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et vous aussi, vous me mettez du baume au cœur. Donc... avec plaisir. Super ton stream, mais merci à toi, merci beaucoup d'être venu, et tu as bien fait d'être venu, parce que tu as remporté plein de belles choses. Merci à toi pour le live, merci. On se capte à Essen, ce sera plus simple. Bah oui, de toute façon, on se verra à Essen aussi, avec grand plaisir. Mais non, mais je vais tout envoyer, ce sera plus simple. Bye bye, merci Max, c'était trop chouette. Merci beaucoup. Je vous envoie chez Roger Lover, gros bisous, continuez d'être des amours, je vous aime d'amour, on se retrouve lundi, 11h02. Bonne soirée à vous, ciao ciao !